Or, l'idée de l'exclusion trop classe m'est venue par une invitation de Chloé Tournier de réfléchir à la question de la transmission. Alors, je suis partie sur plusieurs constats. Le premier étant que 263 millions de jeunes n'ont pas accès à l'école. J'ai proposé le titre « trop classe » car il y avait le mot « classe » qui est vraiment le lieu archétypal de l'enseignement et de l'école. Et « trop classe », une expression trop chouette, trop cool, quelque chose de très positif, car l'idée c'était vraiment d'être force de proposition sur la question des lieux de transmission possibles. Il y a deux points qui nous semblaient importants à partir des différentes œuvres qu'on présente. C'est un, c'est de présenter les différentes intelligences, en particulier l'intelligence de la main, du faire, du fabriqué. Et un deuxième point, c'était de questionner le numérique dans la société d'aujourd'hui, car on doit absolument lutter contre les fractures numériques et l'illettrisme électronique. Ce que j'espère, c'est que le visiteur trouvera que cette place est trop classe. Voilà.